La longueur. Comment ça va les gens? On est là pour la première vidéo mon équipe, j'ai pas du tout touché au mode mon équipe. Donc on va créer l'équipe et ouvrir les packs du début et tout ensemble. Et je ferai peut-être une draft juste après. Je sais pas si ce sera dans la même vidéo ou si je ferai une vidéo juste après draft my team ou je sais pas quoi. On va voir. Et je pense que je vais faire pas mal de draft aussi en stream. Genre en direct sur... Je sais pas si je le ferai sur YouTube ou sur Twitch ou... Peu importe, mais en direct. Parce que ça a l'air débarré les drafts. Ils avaient mis ça sur FIFA avant, maintenant c'est sur 2K, donc on va tester ça, mais d'abord, choisissez votre pack de débutants. Bref, le narrateur là. Défense, on a Marc Gasol dessus. Grit and Grind, ainsi sur le fait de ralentir le match, jouer de façon musclée, ok. Pace and Space. Pourquoi il y a des trucs en anglais et des trucs en français, c'est quoi le bordel? Bref. Mais je vois à peu près ce que ça veut dire. On espace le jeu. Et on peut prendre des bons tirs. Axé sur le périmètre. Les 3 points, etc. Et le poste. Je serais plus du type à jouer de façon... le truc du milieu, pass and space. C'est plus mon délire, ça. Allons-y. Donc je vais avoir Giannis, du coup, dans le pack, là. Ça se passe comment? On peut pas retourner tout d'un coup. Mason Plumlee. Ok. Eric Morland, je sais pas du tout qui c'est. Carl boost de stratégie, d'accord. Une balle, super. Et Glenn Robinson, le troisième. Ok. Qui on a dans le prochain pack? Derek White, t'es qui mon frère? Qui te connaît? Ouh, Dwayne Wade. Qui d'autre? Jordan 13. C'est doré ça. George Hill. Et Jason Kidd comme coach, d'accord. Donc pour l'instant, Dwayne Wade. Il a que 78, Dwayne Wade. Il le sous-estime, hein. Même s'il est vieux maintenant. Qui en a d'autres? Terry Rozier. Ok. Hein? Bon, ce pack là il était dégueulasse. Il y en a combien? Est-ce qu'on va avoir une bonne carte? Toujours rien, d'accord. Terence Ferguson, je le connais. Dans la vraie vie, il est bon. C'est un bon jeune joueur. Il a du dunk, il a du 3 points. Mais là dans le jeu là. 68 de général. Zuki. Joueur chinois. Est-ce qu'on va avoir une bonne carte? Au-dessus de 80, genre. Dario Saric, ok. Abdel Nader, c'est qui lui? Ouh, Giannis. Ok, ouais, donc c'est celui qui est sur la couverture du pack qu'on a. Donc on a Giannis 90. Mais bon, c'est un agent libre, je crois. Je suis presque sûr. Et la dernière carte. Carte de soin, d'accord. D'accord, alors le nom de l'équipe, tu connais la longueur. D'ailleurs, vous inquiétez pas, on va refaire la longueur de nos loulous comme l'année dernière. Les vrais savent. Mais d'abord, on va faire notre team, my team. L'année dernière, j'avais pas fait de vidéo sur le my team parce que je l'ai quasiment pas touché, je l'aimais pas trop. Mais bon, cette année, il a l'air un peu mieux. Mais quelle ville? Quelle ville on met? Nanterre pour la France? Y'a pas un nom de ville genre archi long? Ça irait bien avec le thème. Non, au pire, s'il n'y a pas Paris, on va mettre Nanterre. C'est proche. Honolulu? Non, on va garder ça pour la Ligue. Si on reprend Honolulu d'ailleurs, je sais pas si on va reprendre la même ville, mais. Bon, je pense pas qu'il y a Paris. J'ai pas trop regardé la première fois. Non, y'a pas. Défi échauffement. C'est parti. On peut rien faire d'autre, d'accord, let's go. Allons-y. Alors, les Warriors gagnent de 10 points contre les Blazers. D'accord, ok. C'est parti. Utilise ton équipe pour être sûr que tu bloques Lillard et sa team. Avoir la victoire et ma récompense, d'accord. Très bon squad pour commencer. C'est parti. C'est parti.
Le premier challenge. C'est parti. George Hill. Sur Lillard. Allez, on commence. Giannis, t'es la star de l'équipe. Bien long toi aussi. Récupère ça. Eh oui. Oh. Allez, donne-moi ça. Il est chaud Giannis en défense. Que de l'interception. Et on dunk ça facile. Allez. Encore une interception. Easy. On va revenir easy dans ce challenge. Ah mais d'accord, non, c'est nous qui avions 10 points d'avance. Je croyais qu'on avait 10 points de retard. Flotteur. Ou pas. On démonte les Blazers au calme. Donne-moi ça. Easy. Et ben nos 10 points d'avance sont transformés en 20 points très facilement. Hein? Bref, petit challenge d'échauffement, on les a fumés easy. La suite maintenant. Ok, on a un pack, let's go. Qu'est-ce qu'on va voir dedans? Un truc bizarre. Ouh, Damien Lillard, ah mais c'est agent libre. C'est bien ça. Avec le son gris comme ça là. Attends, regardons les remplaçants de la formation qu'on utilise déjà. C'est pas top tout ça. On aura Damien Lillard qu'on pourra utiliser, mais. Après il y a Abdel Nader qui a pas été retenu pour l'équipe apparemment. Il est dans la réserve. C'est rare qu'on ait des rebeux au basket. C'est vrai qu'au foot, il y a plein les rebeux, mais au basket, laisse tomber. Ouais. C'est le désert. Je crois qu'Evan Fournier à moitié algérien. Vous devez remplir tous les objectifs argent afin de débloquer la salle d'enchères. C'est quoi les objectifs argent? Allez au marché des coffrets. Mais c'est quoi le marché des coffrets, mon frère? On dirait un boy du Seigneur des Anneaux. Ou Game of Thrones. Marché des coffrets. Acheter un coffret. Ah, les packs, en gros? Ah, non, d'accord. Ah, les coffres. Ok, d'accord. Ok. Je vois le délire. Ça s'appelait pas coffret avant. 55 000 pour 10 packs. Ça va aller. Jouer... défi super max domination pack and playoffs, c'est le draft, jouer avec des amis ou freestyle. Donc est-ce qu'on commence par un petit draft ou est-ce qu'on commence par un match super max? C'est les matchs normaux avec l'équipe que t'as, pas une équipe draftée mais ton équipe normale. Mais cette année c'est un peu plus équilibré parce que il y a un salaire comme en NBA, tu vois, tu peux pas avoir tous les meilleurs joueurs du jeu dans ton équipe. Faut que tu équilibres un peu tout ça. Alors, comment ça marche? Est-ce que cette équipe, je vais me faire défoncer en y allant direct ou... Ou est-ce qu'il faudrait que je fasse 2-3 challenges avant de me lancer? Bon, c'est pas grave. Allons-y direct. On n'a pas peur. C'est là que je me fais torcher au premier match. Ah, mais attends. Avant que je commence ça, j'ai un pack que j'avais grâce à la précommande. On va l'ouvrir. C'est ça. Attends, d'abord, on va ouvrir ça. Qui nous permettra d'ouvrir, de personnaliser notre arène plus tard. On va pas le faire tout de suite. Voilà. Tac. Salle de la Nanterre. La longueur. Ou la longueur de Nanterre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Deux cartes. Oh, on a Kyrie dans le pack. Attention. Je savais même pas. En plus, j'ai pas l'impression que ce soit un agent libre, c'est vraiment la carte normale. Attends. C'est pas un agent libre, remplacer joueur. Bien vu, bien vu. On aime ça. Voilà. Maintenant, on peut commencer le premier match. J'ai attendu là longtemps, là on est en pleine nuit, je crois que soit les serveurs marchent pas, soit il y a juste personne pour me jouer là. Donc on va essayer le draft, et si jamais je trouve pas d'adversaire non plus, on va déjà faire le début et j'affronterai quelqu'un demain. Alors on va faire un petit draft, let's go. On choisit le coach d'abord. Qui on va avoir? Tirer deux cartes.
Tyronn Lue des Cavs ou Jason Kidd? Vitesse et espace, mouvement constant du ballon, grit une graine, ralentit le match. J'aime bien vitesse et espace. Et puis, les Cavs, c'est les ennemis des Warriors. Ceux qui savent, savent que je suis un fan des Warriors. Alors, qui on va prendre en meneur? On commence avec le pack rouge. Porte ma chance. J'ai l'impression que je suis au casino. Ouh, Anthony Davis dès le début. Ah ouais, c'est pas par position. C'est, je disais meneur, mais ça peut être n'importe quelle position. À côté de lui, à qui? Jeff Teague. Ok. Bah direct Anthony Davis, hein. Là y a pas d'hésitation. C'était la meilleure carte, parfait. Qui on a ensuite? Gary Trent, je sais pas qui c'est, mais il a 81. Et Christian Leitner, 82. Bon, on a déjà un ailier fort, donc on va prendre ce pivot là. Ils sont tous les deux à peu près pareils. Il y avait deux fois le même joueur dans ce pack là. Bon allez, maintenant il nous faut du meneur un peu. Meneur, ailier arrière, tout ça là. Il nous faut de l'extérieur. Qui on va avoir? Ah, et la première carte. Parfait, un arrière. Si on peut avoir un meneur bien stylé. Oh, mais j'ai vraiment des purs joueurs, mais ils sont tous intérieurs. Est-ce que je le prends et je fais jouer Anthony Davis au poste 3 comme un fou? Je vais avoir une équipe archi grande. Vas-y, c'est parti, je fais ça. Je vais avoir une équipe tellement grande. Par contre, si j'ai un intérieur encore, je suis très mal. Je vais mettre Anthony Davis ou Chris Webber au poste 3, même si c'est des intérieurs ailiers forts. Je vais les mettre en ailier. Ouh, LeBron! C'est ça qu'on veut! LeBron! Ok, bah le choix est vite fait. Ok. Au pire, si on n'a pas un meneur là, on peut toujours mettre LeBron en meneur. Il peut le faire. Allez. Il nous faudrait genre un arrière là, ouais. Ou un meneur. Qui on va avoir? Blake Griffin, oh là là! J'ai qu'une équipe de géants, j'ai aucun petit. Mais comment ça se fait? J'ai que des pivots et des ailiers forts. Cette équipe! Bon, peut-être que j'aurais dû prendre l'arrière là quand je pouvais prendre un arrière à la place de Chris Webber, mais je me suis dit que j'allais peut-être avoir un autre mec. Gros, j'ai 3 ailiers forts, un pivot et LeBron. Maintenant, je peux les échanger. LeBron vient au poste de meneur. Davis vient là. Griffin, oh là là, je le mets où Griffin? Webber, est-ce qu'il a un 3 points même, Webber? Ou au moins à mi-distance ou un truc comme ça? Je peux pas regarder leurs stats? Je peux même pas regarder leurs stats? Oh là là. Bon. On va jouer comme ça, hein. Y a pas le choix. Après, le truc stratégique, là, si on mettait LeBron au poste 3... Ah non, y a que LeBron qui augmentait après la veste. Attends. Ouais, ça restait à 60 de toute façon, donc... autant la jouer comme je voulais. Donc... Ouais, on va faire ça, hein. Chris Webber au poste 2 et... Je sais pas si Webber, il sait tirer un petit peu. Je sais que Griffin, y a moyen qu'ils savent tirer. On va mettre Griffin en poste 2, hein, on va voir ce que ça donne, mais l'équipe elle est tellement déséquilibrée, que des grands. Ok bah, voyons s'il y a des adversaires, let's go. Bon bah je crois que les... Soit il y a vraiment personne, ce qui m'étonnerait, vu que le jeu vient de sortir, soit... En tout cas des problèmes de serveur. Parce que tout à l'heure, je jouais en parc ou en playground, peu importe comment ils appellent ça. Il y a eu un problème de serveur, il n'y avait plus personne dans tout le quartier. Ça doit être la même chose en My Team, hein. Mon moi du futur va se charger du match. Bon, en fait, j'ai trouvé quelqu'un. Ce sera pas mon moi du futur, ce sera mon moi du présent, mais... Genre 10 minutes en avance, enfin bref, vous m'avez capté. On affronte Goran Dragic, James Harden, Kawhi Leonard, Blake Griffin, Anthony Davis.
Ah, il a une équipe archi équilibrée, lui. Moi, j'ai des intérieurs de partout. Bon, attends, on va se débrouiller quand même. Woke up to niggas sounding like me. Woke up to niggas talking like me.